Dieu n'est pas limité dans sa puissance. Quand il commence, il achève. Il a toujours dit aux gens, ce que Dieu ne peut pas achever, il ne commence pas. Non, il ne commence jamais. Il n'a pas une vie. Il ne peut pas achever. Et nous savons que l'auteur des miracles, c'est Dieu. Et quand j'étais venu sur le Skype, le Seigneur m'avait convaincu qu'il allait te guérir. J'étais convaincu que tu n'allais même pas mourir. Tout le monde s'attendait à ta mort. Tout le monde. Et j'ai dû rassurer tout le monde autour de toi. Et j'ai dit, je suis convaincu que tu ne vas pas mourir. Amen. Voilà. J'ai des enfants, et ça m'a plu beaucoup marqué, des enfants qui aiment bien. Voilà. Et je pense que il y a un plan de Dieu pour toi. Donc, pour que le plan de Dieu s'accomplisse totalement dans ta vie, il faut que toi-même tu décides d'appartenir par entier à Jésus. Tu ne vas plus partir à Cuba? Non. Amen. Tu vas plus partir à Cuba. La cosilla ziliwaou. La cosilla ziliwaou. La cosilla ziliwaou. La cosilla ziliwaou. Ziliwaou.
C'est l'esprit qui est en toi. C'est ce que nous combattons. Donc je ne veux pas te voir en train de manger. En tant qu'être humain, regarder un père qui est mon père, qui peut être mon papa. Le regarder, non. Tant qu'il aura ça, nous allons désarmer. Mais je ne veux pas te voir dans une situation de où tu as faim et puis je t'ai laissé dans la peur. Non, non, non. C'est pour ça que si là nous ne battons pas les sorciers, nous ne les tuons pas, nous les délivrons. Amen. Je t'attache dans ma prière pour que tu sois qui arrive ici. Ici nous dressons les sorciers. T'es obligé d'être normal. T'es obligé de rester sur Bouya. Ça c'est l'humain. Tu as compris? Elle va faire ta maison. Hein? Monsieur Doudouin. Elle sera ta maison. Tu as compris? Je t'attendais parler hier. Tu as dit, je te délivre là. Mais faut aller achever ma maison. Hein? Tu as dit ça. Non, écoute-moi. C'est moi qui parle.
C'est moi qui parle. Tu as compris? Je suis en train de parler. Je suis en train de régler un problème. Tu vas me dire, attends. Je vais laisser tout le temps. Si je parle, tu vas m'arrêter. Tu as compris? Tu as compris ce que je dis là? Ok. J'ai dit, hier, tu parlais tout à l'heure. Hein? Tu as dit à ta fille, tu te la libères, elle n'a qu'à aller achever ta maison. Tu l'as pas dit hier? Je n'ai pas dit. J'ai dit ça hier. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais, monsieur, c'est ce que je répète ce que vous avez dit hier. J'ai dit aussi, elle va achever la maison. Je n'ai pas dit ça. Oui, j'ai dit, papa va finir la maison. Mais, vous avez parlé ça. Mais, de toute façon, la maison, il est là. Elle va finir, ça va faire. Ça va briller. Elle va faire. Tu veux qu'on achète, non? On n'a qu'à finir la maison. Oui. Ça va faire. Je te fais cette promesse. On va finir la maison. T'as compris? On va pas te laisser. On m'invite à ici, t'as compris? Moi-même, je voudrais que je viens là-bas. Si on finit, n'a qu'à partir là-bas. Vous allez partir déterrer tout ce qu'ils ont mis là. À la clame du Seigneur. C'est ce que j'attendais. Pas que ça vienne des gens. Parce que moi-même, j'avais déjà vu ça. Et j'ai parlé de ça comme c'était devenu bizarre dans la famille. Je vais le faire. Tu as compris? On va aller, on va t'accompagner. On va prier pour la cour. Tu es désormais notre papa. On ne se bat contre toi. On va te libérer. Et tu vas voir tes enfants grandir. Et tes petits-enfants grandir. Amen. Lui qui est là, elle a un bon cœur. Toi-même, tu sais ça. Oui. Voilà, tu sais ça. Je sais qu'elle ne va pas garder ça dans le cœur. Elle va t'aider. Non, mais au moins. Hein? Et comme moi. Chez les marabouts. Hein? Je souffre
maître, papa. De ta prière aussi. Vivante. Moi, j'étais jamais Mais c'est pas. Marie, ça. Marie Petit, elle allait chez les marabouts, les lagis, Boukari, Pousseni, viens. Marie, tu connais donc tout ça. C'est le moyen de pour la bouche, les sangs comme ça. Tu t'appelles Yakuba. Ah, c'est même moi. Mais je n'ai pas compris. Il ne peut rien vous apporter. Vous aimez les plus bizarres que ça. Jésus qui est propre, ça vous dit rien. Les gens sont dans la bouche. C'est un ambassadeur qui m'a amené là-bas. Hein. Ah, tu vois. C'est un ambassadeur. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vas accepter Jésus, tu vas ça? Oui. Tu vas répondre après moi cette prière. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Rends dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Merci de m'avoir accepté. Amen. Seigneur, merci, éternel notre Dieu. Merci pour le salut qui est entré désormais dans ce cœur et dans sa vie. Je viens ta parole qui ne mettra jamais dehors une personne qui vient. Seigneur, malgré ses péchés, merci de l'accepter. Et merci pour le miracle de la guérison et de la délivrance que tu opères dans sa vie. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prier. C'est la dernière action. Réponds-nous. Non. Après, on va prier pour toi aussi, d'accord? Qu'est-ce que tu as envoyé dans la vie d'Élie? Dans la vie d'Élie? Qu'est-ce que tu as gâché? J'ai gâché. C'est la maladie sur elle. Ah, mais c'est où ça t'a mis quelle maladie? Partout. Donc, elle souffre. Après ça, tu as cherché à la manger. Tu l'as livré après. Tu l'as livré en pleine au funérailles de Joseph. D'Aoula. Au funérailles d'Aoula. C'est là que je lui ai demandé que lui, pourquoi on te téléphone, il ne raccrochait pas. Décroche pas. Après la victoire. Elle a dit qu'elle était malade et tout ça là. J'ai dit même à Abidjan ici. Décroche pas. Quand on t'appelle, tu ne décroches pas. Et à même quand j'ai appelé ton petit frère là, je lui ai dit, à vous. Ton petit frère, à vous. Après celle-là, c'est celle-là qui est la première. Après, à vous, je suis la troisième et Adèle la quatrième. C'est là que tu as livré. Au funérail. C'est vraiment les funérailles d'à vous qui te l'a livré. Maintenant, tu vas la libérer. Maintenant, je vais la libérer. Faut parler. Donne-moi la bouteille d'eau. Faut parler en parlant, mais tu es très vite. En fait, tu serais très à l'aise. Il dit. Oh, voilà, faut t'aider. C'est toi que tu dis. Faut parler fort. C'est toi que tu détaches comme ça. Prends le micro. Ok, on va reprendre. Je vais demander le micro. Oui, allons-y. Comment voilà, bon, tu es là, 270 000 francs.
Marie-Claude, oh, je peux me ça. Ça fait les 300 000 francs. Et oui, je m'aime. Et là, il y a moins. Il fait des yeux pour vous. Il fait des yeux pour vous. Il fait des yeux pour vous. Bon, mais va, arrêtez de nous pour vous dire. Mais là, bon, 300 000 francs, et bien, contre moi, 70 000 francs. Non, le Dieu. C'est la vie, moi. Il faut parler des livres. Il ne faut pas rentrer dans l'histoire, le prix, comme ça. Allons dans le livre d'esprit de l'évidence. Tu as quoi de beau? C'est lui qui peut se détache comme ça. Se détache, voilà. Dis-moi, la côté. Oh, ta vie est sauve. C'est vrai. Oh, ta vie. Oh, ta vie, nous vivons. Ou à son, il y a l'or. Il y a deux sœurs en France. Il y a l'or. Il y a yo-yo. Yo-yo, l'or est devra dire, oh, la douleur, toi. L'or n'est pas encore allié, mais le yo-yo va dire à un autre bien. Mais, Laurence. Oui, voilà les vidéos. Laurence n'est pas encore allié. Laurence, bon, on t'a ce mot gré là. Oui, les vidéos. Elle n'est pas allié. Bon, il tout ça là. Mite bon. C'est tout ça de lui. Mite la mort. C'est vrai. À ton Jésus, c'est vrai. Au moyen de ma vie, au moyen. Père Jésus, c'est toi qui commandes le monde. Oui, et je dis que vous prenez. Oh, je vais dire que je vais aller. Oh, tu m'as porté. Il parle à son serviteur pour que je puisse la délivrer, la délivrer. Donc elle est délivrée. Bon. Oui, ça, c'est un lieu, il y a dit, on a un m'a dit, m'a envoyé la casse, c'est ça? Ça, après, je vais faire un Dieu là. Ah, après, je vais faire un Dieu. L'or. Nous proclamons, ta délivrance dans la puissance de votre nom. Amen. Merci. Il reste une phrase très importante que le Dieu a souligné lui-même. Il a dit qu'il m'invitait chez lui au village. Il fallait déterrer les choses qui sont là. C'est ce que j'attendais. Amen. D'accord. Bien. Ici, là, c'est un autre travail. Hein. Ce n'est pas comme d'autres églises. Chacun a sa manière de travailler. Hein. Nous, ici, on s'occupe de faire des sorcelleries. C'est dimanche, on devient sorcier. C'est pas dimanche, on ne fait que ça. La secrétaire là? Oui, amen. Okay. Ça, il n'y a pas de...